J'espère que vous allez bien, c'est GNTKVR. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, les amis. Je vais vous présenter comment regarder vos films préférés avec le casque Oculus. Ouais, en version 3D, avec comme le cinéma. Et ça, avec des boîtes en plus. Donc, ça, c'est cool. Donc, les amis, n'hésitez pas, bien entendu, à cliquer juste ici pour vous abonner. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Je les vois, les statistiques. Mais il y a peu de gens qui s'abonnent. Ouais, c'est pas bon. Et bien entendu, les petits potes pour le référencement. Le petit pouce bleu, s'il vous plaît. Le petit pouce bleu, voilà, comme ça ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas que samedi, tirage au sort du concours en live, les petits potes. Donc, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube et surtout vous abonner. Commentez la dernière vidéo qui va s'afficher juste en haut là, hop, avec une petite fiche maintenant. Et là, vous cliquez, vous regardez la vidéo, tu mets je participe, je m'abonne à GNTKVR et voilà. Du coup, trêve de présenter les amis, je vais vous présenter du coup l'application qui s'appelle Big Scream Beta. Voilà. Elle est gratuite pour l'Oculus, bien entendu, et vous pouvez aussi la télécharger pour le PC. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc les amis, je vais quitter ma petite perche des selfies là. Amis, voilà, on se retrouve du coup sur cet environnement que j'ai choisi, les petits potes. Donc vous, quand vous allez arriver, vous allez avoir une petite page. Voilà. Comme ça, les amis, avec toutes les rooms qui sont pour le moment disponibles. Alors, on va commencer par le commencement. Ici, les petits potes, le Remote Desktop, voilà, ça c'est pour streamer avec votre PC et aussi pour installer des films que vous auriez téléchargés, bien sûr, légalement et les mettre dans votre Oculus. Ici, vous avez des petits jouets, voilà, vous avez la perche de selfie, du petit popcorn, les petits potes, ouhou, du petit popcorn si ça fait plaisir. Une petite tomate, si le film est saoulé, bim, tu balances la tomate. Un petit soda, voilà, parce que ça c'est chill. Et un petit keyboard pour pouvoir écrire. Voilà, ça c'est vraiment, c'est pas forcément super top, mais ça y est, donc on le prend. Ensuite, vous avez l'environnement. Donc ici, moi, je suis à l'appartement. Et vous avez différents environnements, vous avez 8 pages. Voilà, vraiment, vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez aller vraiment où vous voulez, dans votre cuisine, vous allez sur la lune, enfin vraiment, vous allez vraiment où vous voulez. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut se faire? Qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se faire par exemple un petit théâtre. Voilà, vous cliquez, ça met 2 secondes. Et là, vous voyez les potes, on est dans un petit théâtre sympathique. Voilà, vous pouvez changer de fauteuil, juste avec le joystick comme ça. Voilà, vous vous déplacez, vous vous dites, je vais aller là. Hop, et voilà, et là, vous vous retrouvez tranquillement chez vous. Comme je vous le disais, voilà, vous avez plusieurs zones. Par exemple, je sais pas, je vais vous en montrer une autre. Par exemple, au cinéma, en voiture, les petits potes. Hop, voilà, on s'est recentré manuellement, c'est plus simple. Et là, vous voyez, on est au petit cinéma, tranquille, avec un giga écran. Donc là, avec vos potes, ça peut être vraiment fun. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà en gros pour les rooms. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, du coup, ça c'est pour créer votre propre room. Voilà, vous pouvez mettre du coup la description. Vous pouvez mettre du coup si vous voulez que ça soit privé et juste en invitation. Et là, vous mettez genre ceux qui peuvent. Là, c'est juste les gens qui peuvent regarder, venir ou sortir. Vous mettez le nombre que vous voulez. Vous mettez public list, c'est-à-dire les gens du coup verront votre room avec la description et vous rejoindront. Ça sera en public. Ou sinon, vous mettez tout simplement juste vous. Voilà. Mais le mieux, en gros, vous faites privé ou et vous invitez vos potes. Hein. En gros, vous avez l'idée, voilà, tout simplement, de la personne et elle aura juste à ouvrir, taper l'idée de la room et du coup, elle vous rejoindra directement juste ici dans notre grand cinéma. Ensuite, donc, on a fait le tour. Ça, c'est pour le PC. Ça, c'est les petits jouets. Ici, vous avez du coup tout ça. Et ici, c'est pour créer votre room. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de voir? Donc ici, vous avez les différentes applications que vous pouvez télécharger et installer. Je voulais vous montrer quelque chose aussi. Donc ici, si vous branchez votre Oculus à votre PC, ça va vous ouvrir du coup dans le lecteur, ça va vous dire que vous avez branché votre casque comme votre téléphone. Vous allez dans les fichiers du PC, de votre Oculus, et ici, en fait, vous slidez directement sur l'ordi et vous mettez dans les fichiers de l'Oculus, votre vidéo qui va s'installer ici. Et ici, vous aurez des films et vous pourrez du coup lancer le film directement sur la salle juste en face de nous qui est immense. Vous pouvez bien sûr naviguer dans cette salle. Voilà, tout simplement. Et ça fait extrêmement plaisir. Mais là, il va falloir, en gros, ça va vous connecter.
Il va falloir vous connecter votre compte Google du coup pour avoir justement le gros plan d'ici. Et ensuite, pareil pour notre ami Prime Vidéo, juste ici. Et aussi pour notre ami Disney+. Voilà, vous avez aussi accès à Disney+, vous avez juste à vous identifier. Et c'est tout. Donc ça, en gros, c'est pour les chaînes, on va dire, que vous voulez utiliser. Ici, vous avez les différentes chaînes. Hop, on va remonter ça. Vous avez les différentes chaînes ici qui sont déjà présentées. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les films en 3D, vous voyez, donc ça vous dit si l'audio, par exemple, est valable en France et s'il est valable aussi pour votre Oculus et si c'est sous-titré également. Vous avez ici donc la possibilité de louer. Mais ce qui est dommage, et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous le louez, et que vous invitez un de vos potes, il est obligatoirement obligé, lui, de le louer, en fait. Sinon, vous ne pouvez pas le regarder. Donc ça, je trouve ça bête. De louer un film, il faut que votre pote aussi le loue. Ça, malheureusement, je trouve ça vraiment dommage. Vraiment. Donc ensuite, vous allez à Social. À Social. Donc, vous avez les plus big rooms. Voilà. Soit vous choisissez par catégorie. Donc ici, il y a Black Adam en ce moment. Voilà. Et vous avez tout ça. Ce qu'on va faire, c'est par exemple, voilà, on va rejoindre, j'espère qu'il y aura de la place. On va rejoindre Black Adam et on va voir s'il me reste de la place. Très bien. Voilà, il reste de la place. Et là, vous voyez qu'il y a énormément de gens qui regardent Black Adam. Bon, là, j'ai muté mon micro pour être tranquille. Mais voilà, en gros, vous pouvez regarder Black Adam. Il y a quelqu'un qui a dû l'acheter ou qui l'a balancé et qui a mis Black Adam. Voilà, j'ai pas envie de prendre un strike, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de là. Vous choisissez aussi du gaming, par exemple quelqu'un qui fait du code. Voilà, vous voulez aller voir du code, ben, on va aller voir du code tranquillement. Voilà, donc là le mec a balancé son ordinateur. Donc comme je vous disais, donc vous allez à Social, vous choisissez donc les chaînes que vous voulez voir. Si vous voulez juste parler avec des gens, il y a des gens qui font justement que ça me parler. Ici, on n'a pas de sport pour l'instant. Et ici, donc, tous les mecs qui balancent leurs films. Voilà. Et c'est plutôt cool. En tout cas, c'est fort sympathique. Au niveau, voilà, des public rooms. Nous avons également, donc, du coup, ici, tous les Popular Channel. Et nous avons aussi les TV Rooms. Les TV Rooms, voilà, il y a des gens qui sont disponibles, qui mettent que des trailers, du Rick et Morty, de la NASA. Pouvoir aussi s'envoler, la NASA. Mais là, il n'y a personne. Pour pouvoir voir quand ils mettent en direct du coup un décollage de fusée, mais bon, là pour le moment il n'y a rien, c'est juste vraiment une, comment dirais-je, image de la NASA. Vous avez ensuite juste ici, donc vous allez à Channel, vous allez à Movie Rental, et ici vous avez du coup tous les films qui sont disponibles. Malheureusement, voilà, comme je vous le disais, ils sont à louer, et si vous voulez pas vous embêter à louer, eh ben vous les regardez pas. Dans ma room, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller regarder ça directement au grand cinéma. On va pas se faire chier les petits potes et on va se mettre du coup, par exemple, hop, Movie Rental. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en 3D et vous avez le trailer qui est juste ici. Voilà, vous pouvez quitter ça et du coup, le film va se lancer dans notre fameux grand écran. Honnêtement, honnêtement, c'est plutôt bien fait. Ce qu'on va faire également, donc, comme je vous disais, vous avez la possibilité de connecter votre Prime Vidéo. Ce que moi j'ai fait, j'ai connecté mon Prime Vidéo. Et par exemple, je veux regarder Ready Player One. Donc, je clique sur Ready Player One. Ici, du coup, normalement, on peut le regarder. Continuer la lecture. Et let's go. Du coup, vous pouvez regarder. Voilà, Ready Player One. Là, j'avais pas mis le son pour pas faire de spoil au niveau de ça, des sons, des trucs et tout. Mais en gros, voilà. Là, c'est en français. Et de là, vous pouvez du coup inviter vos potes à vous rejoindre. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que vous avez aussi votre propre avatar. Là, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Mais du coup, voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez faire comme vous voulez votre avatar. Bien entendu, c'est propre à
chacun. Du coup, les amis, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. C'était GNTKVR. N'oubliez pas de cliquer juste ici pour vous abonner. Je vous souhaite une agréable journée. Peace.